Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, on va partir toute la fin de semaine à Rimouski. Donc, j'ai un frère qui habite à Rimouski et on va aller pour le baptême de sa petite fille samedi, donc à 3 h. Donc, pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est juste pour vous parler un peu de ma fin de semaine parce que je me demandais un peu quoi filmer, là, étant donné que je pars pour la fin de semaine. Je vais quand même vous mettre une vidéo en ligne. J'essaie d'en faire un par semaine. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est commencer aujourd'hui, puis filmer un petit peu à tous les jours pendant la fin de semaine, en fait. Et étant donné que je sais qu'une fois rendu là-bas, on va être en famille, il va y avoir beaucoup de monde, ça va sûrement être plus difficile pour moi de filmer. J'ai pensé plutôt mettre l'accent sur ce que je mange. Donc, j'aime beaucoup regarder les vidéos une journée dans mon assiette. Donc, la personne va nous montrer un peu ce qu'elle va manger tout au long de la journée. Puis, je trouve ça vraiment intéressant, là. Je suis curieuse. Puis, je trouve que c'est des beaux vidéos où on voit un peu des recettes. On voit comment les gens mangent. Puis, ça donne des idées. Donc, c'est ça. J'ai pensé vraiment mettre l'accent sur ce que je vais manger en fin de semaine. Donc, au lieu que ce soit une journée dans mon assiette, ça va plutôt être la fin de semaine dans mon assiette. Je vais vous filmer le plus possible les repas que je vais manger. Puis, je vais peut-être aussi filmer quelques petits clips ici et là, là, quand je vais pouvoir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, me laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et puis, on commence.
Bon matin. Donc aujourd'hui, on est samedi. On s'est arrêté à l'hôtel hier soir à Québec. Donc on a dormi ici là, pour un peu séparer la route en deux là. Donc vendredi soir, c'est ça, après le travail, on est parti. On a fait à peu près 3 heures, 3 heures et demie de route. Là, on est à un hôtel à Québec. Puis on part ce matin pour un dernier 3 heures pour se rendre jusqu'à Rimouski. Donc on a bien hâte d'arriver, mais au moins ça a comme coupé le trajet en deux là. Fait que c'est un petit peu moins fatigant comme ça là, parce que des fois on faisait le trajet samedi, puis après ça le trajet de retour dimanche. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus relax comme ça. Fait que comme vous avez pu voir ce matin, on est allé déjeuner. C'est un hôtel qu'on a payé pas trop cher là, dans le fond là, c'était juste pour la nuit puis on repartait. Mais c'est assez bien là, ça s'appelle je pense l'hôtel Le Littéral à Québec. Je dois dire par contre que le lit était pas super confortable, mais bon, pour une nuit c'est pas si pire. Hein. Mais c'est assez moderne, puis le déjeuner, il y avait juste un choix là, fait que c'était seulement les gaufres avec des fruits, café, jus d'orange, mais c'était bon par exemple. Donc ce matin, on va repartir. En fait, là, il nous reste un 3 heures de route à faire. Donc, je vous amène avec moi dans ma journée d'aujourd'hui. Donc, on vient de rentrer de Rimouski. On est dimanche, il est 3 h 30. Donc, on est vraiment fatigué là. J'ai défait ma valise, puis j'ai parti me brasser de lavage. Là, je vais regarder qu'est-ce qu'on va manger au menu pour cette semaine. Et je vous montre ce que j'achète à l'épicerie. Donc, je reviens de faire l'épicerie. Je suis allée au Super C. Cette semaine, on va avoir seulement 4 repas, donc du lundi au jeudi, étant donné que le vendredi, on a quelque chose à l'extérieur. Donc ça m'a pas coûté très cher, c'est pas une très grosse épicerie non plus. Il nous restait aussi des légumes là, de la semaine passée, tout ça qu'on va passer au début de la semaine. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc première chose ici, j'ai acheté du porc haché. Et en fait, c'est pour faire la recette que j'ai ici. Donc c'est une recette de soupe, ça s'appelle noce à l'italienne. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais je vous avais pas montré la recette. Et étant donné que je la trouve pas en ligne, je vais vous la montrer de plus proche si jamais. Vous voulez peut-être faire un screenshot ou quelque chose là, pour la faire à la maison. Donc, c'est assez simple là, comme recette. La seule chose, moi, dans le fond, c'est que je ne mets pas les rapini. Je sais pas, j'ai jamais trouvé ça à l'épicerie. Vous me direz peut-être si vous connaissez ça, si vous savez où en acheter. Mais c'est ça, là, dans le fond, c'est vraiment une bonne soupe. C'est avec un bouillon de poulet, des pâtes, des boulettes de veau qu'on fait soi-même. C'est quand même assez simple là, à faire. Du parmesan puis des petits morceaux de salade dans la soupe, c'est super bon. Donc, c'est ça, dans la recette, ça dit de prendre du veau, mais bon, j'ai pris du porc, ça va être aussi bon. Ensuite, ici, j'ai pris du basilic. Je vais en avoir besoin dans différentes recettes. Donc, c'est ici. J'ai acheté aussi de la poudre de carie. Il ne m'en restait plus beaucoup. J'en ai pas besoin cette semaine pour une recette, mais j'aime beaucoup faire la recette de poulet au beurre express de Ricardo. Donc comme ça, je vais en avoir pour la prochaine fois, quand je vais décider d'en faire. J'ai pris des petites échalotes françaises comme ça ici. Donc ça va être pour mettre dans des tacos. Donc je vais faire cette semaine des tacos avec les tacos durs, là, mais au lieu de mettre du bœuf haché dedans, je vais mettre des cubes de thon. Donc des cubes de thon cru. Je mets des échalotes, je vais faire une petite sauce, un avocat, je vais voir si je mets d'autres choses, là, peut-être de la salade, des choses comme ça. Donc, c'est la première fois que je vais faire ça, mais je pense que ça va être bon. J'ai pris 2 sacs d'épinards. Ça va être pour la recette de cannelloni que je vais faire cette semaine. C'est cannelloni, ricotta et sauce rosée. C'est une recette de Ricardo, puis c'est une recette en fait qui est végé. Donc, ça va faire différent dans la semaine. Donc pour ça aussi, j'ai pris du ricotta. J'ai pris du parmesan râpé juste parce que vu que c'est un soir de semaine, ça va être plus rapide. Mais d'habitude, je l'achète en bloc, là. Je préfère l'acheter en bloc habituellement.
comme légumes, j'ai pris des choux de Bruxelles. Donc ça, j'aime ça les faire griller dans la poêle ou même dans le four, en fait. C'est plus simple, là, on n'a pas à s'en occuper. Je mets un peu d'huile d'olive, sel, poivre, c'est super. Des fois, je mets d'autres épices, mais c'est vraiment très bon. J'ai pris aussi deux paquets de framboises pour manger dans la semaine. Du lait, 1%. J'ai pris de la roquette, donc ça, ça va être juste en accompagnement avec un peu d'huile d'olive, vinaigre de balsamique, sel, poivre. Donc sûrement que ce soit avec la soupe, là, on va se faire une petite salade comme ça. C'est rapide, puis ça fait des légumes. Ensuite, j'ai pris deux paquets de champignons. Ça va être pour une recette que j'ai vue sur Pinterest. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je ne l'ai jamais essayé, mais ça avait l'air super bon. Donc, la recette, c'est en fait, c'est des poitrines de poulet avec une sauce au vin blanc et des champignons. Donc, ça avait l'air assez simple à faire. Puis, je pense que ça va être vraiment bon. J'ai jamais fait une recette semblable. Puis, on avait vraiment aimé ça. J'ai pris aussi un avocat. Donc, ça va aller dans les tacos au thon cru. Comme fruits pour cette semaine, j'ai pris un melon d'eau. Puis, comme je vous disais aussi, là, il nous restait d'autres fruits et légumes. Là, donc, je pense qu'il nous reste des bananes, un pamplemousse, un kiwi. Puis, les légumes, il nous reste, je pense, un zucchini, du cocombe, puis un piment vert. Donc, je voulais pas trop en acheter cette semaine. Pour la recette de poulet, pour faire épaissir la sauce, ça prenait aussi de la fécule de maïs. Je n'avais pas dans mon garde-manger, donc j'en ai acheté. Dans les collations, j'ai pris des galettes de riz au cheddar blanc. Et finalement, j'ai pris un petit paquet de pain nan à l'ail. Donc, c'est deux grands pains, mais dans le fond, c'est pas tellement grand qu'on les coupe en deux, puis on prend souvent chacun une demi, là. Donc, ça fait pour au moins deux repas dans la semaine. Donc, finalement, un petit bonus, là, j'ai décidé de vous montrer comment je vais préparer ma soupe noce à l'italienne. Je me suis dit que ça pourrait être le fun d'avoir un plat maison là, dans ce que j'ai mangé en fin de semaine, là, que ce soit pas juste du resto. Donc, je vous montre comment préparer cette bonne soupe. Ok, donc la première étape, en fait, c'est de mélanger tous les ingrédients pour les boulettes dans un bol. Donc, c'est une demi-livre de bœuf de veau. Donc, c'est une demi-livre de veau haché. Moi, j'ai pris du porc, donc, je trouve que ça fait aussi bon. Un œuf, deux gousses d'ail finement hachées. 3 cuillères à soupe de ciboulette hachée. Ça, j'en avais pas. J'ai oublié d'en acheter, donc j'ai mis une cuillère à thé de persil séché. Donc, ça va faire la job. Ça prend aussi une cuillère à thé de piment de chili en flocons. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pris des flocons de piment, comme ça ici. Mais ça, honnêtement, c'est optionnel. Là. Si vous n'aimez pas les choses épicées, vous pouvez juste les enlever, puis ça va être aussi bon. Une demi-tasse ensuite de parmesan qu'on rajoute dedans. Une demi-tasse de chapelure aussi. Moi, j'ai pris ce que j'avais dans mon garde-manger, là. Donc j'ai utilisé ça ici, c'est un mélange pour pâte à tempura. Je suis pas sûre que c'est vraiment ce qu'il faut prendre, mais j'ai déjà fait de la recette avec ça, puis ça fonctionnait très bien, donc je continue d'utiliser ça là, pour le passer. Sinon ça prend aussi sel poivre, et voilà. Donc je vais mélanger tout ça.
Ensuite, on va prendre 8 tasses de bouillon de poulet qu'on va mettre dans un chaudron, puis on va faire cuire les boulettes dedans. Donc là, je vais mélanger tout ça, je vais former des boulettes, puis on va faire cuire ça dans le bouillon de poulet. Donc maintenant que j'ai mélangé la préparation pour les boulettes, je vais former les boulettes. En fait, ça dit seulement dans la recette de faire des boulettes de la grosseur d'une bille, là. Donc j'essaie de les faire pas trop grosses, juste parce qu'après ça, dans la soupe, là, c'est moins agréable quand c'est super gros, puis il faudrait comme la couper en deux, là. T'sais, on veut vraiment que ce soit comme la grosseur d'une bouchée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à peu près, là, je sais pas, grosse comme ça, là, à peu près, là. Puis une fois que ça va être prêt, on les fait cuire. Puis ça, c'est pas dans la recette, mais j'aime beaucoup ajouter des herbes salées dans la soupe. Ça donne vraiment un bon goût. Donc j'ai mis mon feu à maximum pour mon bouillon de poulet. Une fois que ça va frémir, ça va bouillir, on va ajouter les boulettes de veau ou de porc. Là, et on va baisser le feu, on va vouloir le mettre à peu près à doux ou à médium doux. Puis on va les faire cuire pour 5 minutes. Quand ça va faire 5 minutes, on va les retirer du bouillon de poulet. Puis on va ajouter les pâtes pour faire cuire les pâtes dans l'eau. Donc mes boulettes sont en train de cuire pour un 5 minutes. Il faut vraiment s'assurer que le bouillon frémisse. Là. Donc on ne veut pas que ce soit à feu doux puis que ce soit complètement calme. Là. Le bouillon, on veut qu'il y ait du frémissement. Donc habituellement, je mets ça plus à doux moyen. Là. Donc c'est ça. Puis en fait, si on voulait faire cuire les rapini là, que je vous parlais tantôt que... Je savais pas où acheter ça. Il faudrait les faire griller dans un peu d'huile. Puis après ça, on va les rajouter dans la soupe. Donc, je voulais juste le mentionner. Là. Ça, dans la recette, ils mettent ça dans l'étape. Une fois qu'on va avoir fait cuire les pâtes, on ferait cuire les rapini. Mais c'est ça. Donc, moi, je le fais pas. Là. Donc, en ce moment, c'est les boulettes qui cuisent pour 5 minutes dans le bouillon de poulet. Puis, après 5 minutes, je vais les sortir et on va faire cuire les pâtes. Donc j'ai retiré mes boulettes du bouillon, je vais faire cuire maintenant mes pâtes. Moi j'utilise des petites coquilles, mais vous pourriez utiliser n'importe quelle sorte de petite pâte. Donc ça va être une tasse de pâte qu'on va faire cuire selon les instructions sur l'emballage. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner au début, là, mais souvent j'aime ça rajouter un petit peu plus de bouillon que ce qu'ils disent, juste parce que on fait cuire les pâtes, on fait cuire les boulettes, fait que j'ai l'impression que, je sais pas, là, le bouillon s'évapore un peu. Là. Donc j'aime ça rajouter un petit peu plus. Maintenant que les pâtes sont cuites, je vais rajouter les boulettes dans la soupe, puis on va assaisonner la soupe.
Donc voilà le résultat final. Pour finaliser la soupe, c'est ça, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive. J'ai rajouté des petits morceaux de salade et un peu de poivre sur le dessus. Donc la salade, ça a l'air un peu bizarre dans une soupe, là, mais c'est super bon, ça rajoute un peu de croustillant. Puis j'ai oublié de mentionner, mais c'est une soupe qui fait pour 4 à 6 personnes, puis ça se réchauffe super bien. Puis avec ça, on va manger une petite salade avec huile d'olive, vinaigre de balsamique et sel poivre. Donc c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. J'aime toujours ça lire vos commentaires. C'est un petit peu différent de ce que je fais à l'habitude. C'est un petit peu plus on the go, là, étant donné qu'on n'était pas là en fin de semaine. Mais je tenais quand même à vous mettre une vidéo en ligne, puis je trouve ça toujours intéressant pour ce que les autres mangent. Juste avant de terminer aussi, je voulais vous montrer une recette que je vais faire cette semaine, puis j'ai oublié de vous en parler, là. En fait, c'est ça, j'arrive pas à la trouver en ligne, là, donc je vais vous la montrer, là, si jamais vous voulez prendre un screenshot ou quelque chose. Donc ça vient du livre de Domestic Geeks, Meals Made Easy. Donc, c'est une YouTuber, en fait, là, qui fait des vidéos de cuisine, puis c'est vraiment intéressant, là, ces vidéos. Puis elle a sorti un livre. Donc, c'est la recette que je vais faire comme ça ici. Fait qu'en fait, c'est un classic one pot pasta. Donc, c'est des pâtes qu'on fait toutes dans un chaudron. Puis c'est avec du bouillon de poulet, donc qui est, au lieu de faire cuire les pâtes séparément dans de l'eau, puis après ça faire une sauce, on les fait cuire dans le bouillon de poulet, puis on continue la sauce. Donc je pense que ça va être bon, puis ça va être vraiment rapide, là. Dans le fond, tu fais tout le souper dans le même chaudron. Donc comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci!